péché est la transgression d'un ordre de Dieu sciemment et librement. Le péché extérieur étant plus coupable que le péché intérieur, à cause, vous le savez, des conséquences qu'il peut entraîner. Scandale, évidemment, et destruction du sentiment de honte chez soi et chez d'autres. Les péchés atteignent Dieu dans son image, mais le blasphème l'atteint directement. Ce qui caractérise le péché de blasphème, c'est qu'il est un outrage direct contre Dieu en tant que tel. Et vous vous rappelez que c'est un des péchés que Notre-Dame de Fatima a demandé expressément de réparer par la communion des cinq premiers samedis du mois. Julien l'Apostat n'appelait pas le Fils de Dieu autrement que le Galiléen, et c'est en répétant ce blasphème « Tu as vaincu, Galiléen !» qu'il expira en 363 sous un coup de lance. On demanda un jour à Saint Jérôme pourquoi il reprenait avec tant de zèle un blasphémateur. Il a répondu « Les chiens aboient pour défendre leur maître, et moi, je serai muet quand le nom de mon Dieu est profané. On me tuera, mais on ne me fera pas taire. » Voilà un bel exemple de fidélité pour les temps actuels. Je vais vous raconter un épisode de la vie du Padre Pio qui va nous faire comprendre qu'un blasphème est beaucoup plus grave que ce que nous avons cru. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme « Sur les pas du Padre Pio ». Ceux qui ne connaissent pas notre chaîne peuvent s'abonner en cliquant sur le bouton approprié dans la description et en allant jusqu'à actionner deux fois la clochette. Vous ne perdrez plus les célèbres Fioretti du Padre Pio racontées ici trois fois par semaine. C'est un des plus grands saints des temps modernes, dont la vocation est d'arracher les âmes au diable. Il l'a fait toute sa vie, pendant 60 ans, plus de 60 ans, mais 60 ans, il a eu des miracles et des guérisons constamment. Et puis, il continue à le faire aujourd'hui. Si vous désirez une de ces photos pour vous ou un proche, elle vous sera envoyée gratuitement et franco de port. Il suffit de nous la demander. Je vous mets le lien dans la description pour la commander par Internet parce que nos lignes téléphoniques sont actuellement fermées jusqu'au 12 août. Je vous transmets le témoignage du père Capucin Daniele Natale de Serignolles, confrère du Padre Pio. Et ce témoignage date du 2 octobre 1986. Ce n'est pas si loin. Un camionneur passait souvent dans les Pouilles et pensait chaque fois à notre bon Capucin, là-haut dans son couvent, et qui obtenait des grâces et des miracles pour les gens qui souffraient. Comme une de ses tantes avait été miraculeusement guérie par le padre, eh bien, il y est pensé. Un jour, il décide de monter à San Giovanni Rotondo dans l'objectif de se confesser. Il a raconté sa confession justement au père Daniele. Et il a témoigné lui-même de la patience et de la délicatesse extrême dont le Padre Pio a fait preuve avec lui. Il raconte la confession. « Depuis combien de temps ne t'es-tu pas confessé ?» lui demande le saint confesseur. « Au moins 5 ou 6 ans, » répond le pénitent, indiquant vaguement l'époque de sa dernière confession. « Alors pour toi, 5 ou 6, c'est pareil ?» l'interroge le padre. Tu ne sais pas qu'omettre de faire ses Pâques une année, c'est un péché. Le camionneur reste en silence. Le confesseur passe à la question suivante. Tu es allé à la messe tous les dimanches? Non, padre, j'y ai manqué. Combien de fois? Je ne sais pas. Si vous me demandez quand j'y suis allé, je saurai mieux vous répondre. Vous voyez. Mon fils, répliqua le padre, la confession est une chose sérieuse. Il faut s'y préparer bien. Et là, le Padre Pio s'est tué un instant et a continué. Mais tu te souviens au moins d'un péché? Oui, Padre, j'ai blasphémé. Le Padre Pio est devenu triste et a demandé, contre qui as-tu blasphémé? Jésus et la Vierge Marie. Quand il a entendu que les saints noms de Jésus et Marie avaient été souillés et offensés, notre Capucin a été comme poignardé au cœur. « Jésus et la Vierge Marie !» murmura le saint Capucin navré, tandis qu'il s'affaissait sur le prie-Dieu. Et après être resté silencieux, il reprit « Que pouvaient-ils faire de plus pour nous qu'ils n'ont pas fait ?»
Quand le padre Pio lui a demandé combien de fois il avait offensé notre Seigneur et sa Sainte Mère, le pénitent n'a pas su que répondre. Mais comment fais-tu une chose aussi atroce comme ça, avec cette facilité? Tu ne te rends pas compte de la portée de ça? Ensuite, le padre lui a dit, mon fils, relève-toi et va-t'en. Tu reviendras et ne blasphème plus. Padre, mais moi je suis venu à vous car je voudrais que vous m'aidiez à sauver mon âme, objecta le pénitent qui commençait à entrevoir la beauté de vivre dans la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que je te renvoie. Je veux t'aider à sauver ton âme. Le saint Padre Pio a ainsi terminé le colloque avec le cabioleur. Celui-ci est allé tout raconter au frère Daniel, bien sûr. Je suis reparti chez moi et chaque fois que j'étais sur le point de blasphémer, l'image du Padre Pio se présentait à mon esprit. Je le revoyais affaissé comme j'avais pu le voir quand j'étais à genoux dans son confessionnal. Et alors je me contrôlais avec courage. Puis j'ai commencé à fréquenter les sacrements et suivre la loi de Dieu, changeant complètement ma façon de vivre. Après la rencontre avec le Padre, ma vie a changé. De simple ouvrier que j'étais, j'ai amélioré ma condition. Je suis devenu propriétaire de 3 carrières de marbre et de plusieurs moyens de transport. Et puis j'ai fondé une belle famille, ce qui est ma plus grande satisfaction. Quelle conclusion eût-il tiré de ce fiolet et du Padre Pio? Tous les saints ont eu horreur du blasphème. On se souvient de sainte Thérèse d'Avila qui priait notre Seigneur de détruire le monde plutôt que de tolérer de tels péchés à la surface de la terre. Saint Louis Grignon de Montfort en était indigné aussi. Et un commentaire sous une vidéo de ces jours-ci me semble synthétiser comme il faut l'état de la question. Si le cœur offensé de notre Seigneur Jésus-Christ ne vous émeut plus, le terme de chrétien ne vous définit plus. Je remercie ma correspondante de m'avoir envoyé cette sentence concise, précise, frappante, qui aide à sentir aussi la gravité du péché de blasphème. Je vous rappelle que l'objectif de cette chaîne est de diffuser dans les foyers la présence consolatrice de Saint Pio de Pietrelcina, qui a passé sa vie à arracher les âmes aux griffes du diable. Sur sa prière, Dieu multipliait les miracles et les guérisons. Vous pouvez aider des personnes en le faisant connaître. Je vous invite à partager au maximum ces vidéos, il y en a plus de 850. Chaque fois que vous en partagez une, vous-même et la personne qui la reçoit, entrez dans les intentions de la messe célébrée à midi, le vendredi qui suivra le partage. C'est convenu avec le prêtre célébrant. Alors je vous ai transmis quelques prises de position fortes d'ecclésiastiques sur la soirée d'ouverture des Jeux Olympiques. Le cardinal Müller d'abord, qui n'a pas attendu 10 heures, ou 12 heures pour se prononcer. En Orient, c'est le Conseil des Églises du Moyen-Orient, qui sont toutes catholiques, qui s'est levé et les Irakiens ont fait un jeûne en réparation sur la demande de leur patriarche. Aux États-Unis et en Amérique du Sud, de nombreux évêques ont vigoureusement protesté. Je vous ai raconté la position de Mgr de Germay, archevêque de Lyon, et de Mgr Jacolin, évêque de Luçon, qui ont été les plus nets en France. De son côté, Mgr Brouvet a relevé une véritable offense faite au Seigneur. Sur son compte Instagram, Mgr Ré a dit son mécontentement à cause du blasphème contre le Christ et de l'outrage à la foi chrétienne. La soirée avait lieu le vendredi, Mgr Ayé a déclaré le dimanche qu'il célébrait la messe en réparation pour cette représentation blasphématoire de la scène, ce qu'ont fait d'ailleurs les évêques que je viens de vous citer. En Europe, ce sont tout de même 4 évêques polonais qui ont été les plus tranchants. Le 2 août, 3 cardinaux et 24 évêques ont envoyé une lettre de protestation au comité d'organisation des Jeux Olympiques contre la cérémonie d'ouverture. Parmi eux, 2 personnalités dont je m'honore de les connaître d'assez près, le cardinal Burke et Mgr Schneider. Dans la liste, on trouve aussi Mgr Jean Lafitte, prélat de l'ordre de Malte. Une anomalie dans tout ça. Europe 1, du 1er août, nous a appris que le président turc Erdogan avait téléphoné au pape François pour lui demander d'élever la voix contre la propagande perverse. On croit rêver, franchement. Et dimanche 4 août, une nouvelle est donnée par le journal La Croix en ligne, que je vous cite textuellement. Il aura fallu une semaine après les premières réactions en cascade d'évêques et de fidèles pour que le Vatican s'exprime sur le sujet.
Guillemets, le Saint-Siège, peut-on lire dans un communiqué de presse publié samedi 3 août, a été attristé par certaines scènes de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris et ne peut que se joindre aux voix qui se sont élevées ces derniers jours pour déplorer l'offense faite à de nombreux chrétiens et croyants d'autres religions. L'association Avenir de la Culture, qui nous est proche, vient d'adresser une supplique aux évêques à travers Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. 4700 personnes l'ont déjà signé, vous pouvez le faire aussi grâce au lien en description. Monseigneur, vous le savez, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a été l'occasion d'une parodie ignoble de la Sainte Seine. Notre Seigneur a été représenté sous les traits d'une femme vêtue comme une prostituée et ce sont des drag queens, ces personnages appartenant au monde homosexuel de la nuit, qui ont figuré les saints apôtres. Singer ainsi l'institution de l'Eucharistie, le rite le plus sacré de notre religion, est un acte proprement satanique. Outre la moquerie de la Sainte Seine, les hommages à Satan n'ont d'ailleurs pas manqué durant toute la cérémonie d'ouverture. Tête décapitée, flot de sang, musique métal, cavalier de l'Apocalypse, Vaudor. Ce spectacle dégoûtant a suscité des réactions indignées dans le monde entier. Le simulacre de la scène par des acteurs spirituellement dérangés et mentalement perturbés, ses instigateurs et ses commanditaires, étaient un acte de terrorisme spirituel, a dénoncé le cardinal Müller, préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi. L'archevêque de Malte a écrit à l'ambassadeur de France pour exprimer sa détresse et la déception de nombreux chrétiens face à l'insulte gratuite à l'Eucharistie. L'archevêque de Mossoul, en Irak, a appelé les chrétiens locaux à prier et jeûner pour que Dieu pardonne cette grande insulte que fut la parodie de la Sainte Seine. Même des ennemis de l'Église et de la foi ont été obligés de reconnaître que cette fois, une ligne rouge avait été franchie. De façon tout à fait incompréhensible, la Conférence des évêques de France s'est abstenue de toute condamnation vigoureuse. Les catholiques français ont découvert un communiqué de presse dans lequel vous déploriez des scènes de dérision et de moquerie du christianisme tout en vous réjouissant d'une cérémonie qui a offert au monde entier de merveilleux moments de beauté, d'allégresse, riches en émotions et universellement salués. Cette déclaration ambiguë n'est absolument pas à la hauteur de l'affront fait à Dieu et aux milliards de chrétiens qui ont assisté à cette horreur. Notre pays s'est rendu coupable d'une liturgie satanique et d'un blasphème immonde aux yeux de la terre entière. Cette offense lui fait certainement mériter un juste châtiment du ciel. C'est pourquoi, afin d'implorer la miséricorde de Dieu et de purifier notre pays de la souillure qu'il a commise, je vous demande de faire du 15 août prochain une journée nationale de réparation. Avec des milliers de catholiques français, nous attendons de vous, nos évêques, que vous preniez la tête ce jour-là de procession dans tous les diocèses de France, non seulement pour accomplir le vœu de Louis XIII, mais surtout en réparation pour ce sacrilège. Espérant vivement que vous accepterez cette requête, je vous prie de recevoir, Monseigneur, l'assurance de ma filiale considération. Donc c'est la pétition de l'association Avenir de la Culture. De son côté, la pétition adressée à M. Macron et à sa ministre déléguée aux Jeux Olympiques, lancée par notre chaîne, va aussi bon train. La première livraison de 28 000 signatures a été faite hier à l'Élysée. En description, je vous mets les liens pour vous associer à nos pétitions si vous le voulez. C'est à M. Macron et sa ministre déléguée au JO et à Mgr de Moulin-Beaufort pour l'autre, la pétition d'Avenir de la Culture, président de la Conférence d'évêques de France. Enfin, je vous donne, donc j'insiste, si vous pouvez les signer, c'est très important parce que cela montre à la France entière qu'il y a des raisons profondes, des arguments construits pour réellement réagir quand la ligne rouge est franchie. Et là, c'était une ligne rouge sang. Voilà. Enfin, je vous donne rendez-vous sur le lien de la chaîne sur les pas du Padre Pio dans la description. Vous y trouverez d'autres détails sur nos campagnes et les gestes militants possibles pour faire avancer la cause du Padre Pio. Chers amis, je vous dis à notre prochaine vidéo et très bonne journée à vous. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria.